Guy ira Sénégal en si un antitussif. Non africain Wolof, Nouguer. Bambara, QDMB. Paul, Geloki. Historique et utilisation en médecine traditionnelle. Le nouguer est considéré comme la première plante du Sénégal étant donné son emploi généralisé par toute la population et ses nombreuses indications. Le guihira sénégalensi est utilisé principalement comme calmant de la toux et comme diminuant la fièvre. D'où sa prescription comme antitussif en cas du paludisme et les inflammations des bronches et du poumon. Ce sont les feuilles qui sont généralement prescrites sous forme de décoctée. Ces indications sont générales dans tous les pays où pousse cette plante, du Sénégal au nord Nigeria. Description de la plante. C'est un petit arbre pouvant atteindre 3 mètres de haut, le plus souvent en buisson. Les feuilles sont opposées, ovales, arrondies, légèrement poilues sur les deux faces. Les poils blancs donnent une teinte générale vert-gris argenté aux arbustes. Les fleurs sont blanches, les fruits sont linéaires de 3 à 4 cm de long. On trouve facilement la plante à partir de 60 km de Dakar et jusqu'en Casamance. Action curative. Le guihira sénégalensi a été une des plantes les plus étudiées de la pharmacopée africaine. Le professeur Koumaré dans sa thèse a fait une étude de la toxicité aussi bien aiguë que chronique. Il conclut au terme de son étude qu'il peut être en mesure d'affirmer que les extraits aqueux du guihira sénégalensi préparés par décoction de feuilles ou de racines n'offrent qu'une toxicité relativement réduite à l'égard des différentes espèces animales éprouvées. La voie orale ne semble montrer aucune toxicité. Les effets physiologiques des feuilles de nouguer sont multiples. Antitussif, antidiarrhéique, anti-inflammatoire, analgésique, etc. Nous avons retenu l'effet antitussif confirmé par Koumaré et par Fayet à la faculté de médecine et de pharmacie. À l'heure actuelle des recherches, le principe actif du nouguer n'est pas encore connu. Un sirop antitussif a été préparé à partir des feuilles ou des résultats pharmacologiques et toxicologiques. L'étude clinique a été vérifiée chez des enfants de 6 mois à 6 ans et l'action antitussive s'est révélée excellente dans 980/0 des cas, poussés. Emploi comme antitussif. Faire bouillir une demi-heure 50 g de feuilles de nouguer dans 500 ml d'eau. Filtrer et sucrer à volonté. Boire par cuillère à soupe pour les adultes, par cuillère à café pour les enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. We'll be right back.